Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite comparaison de pinceaux de chez Shimoni. J'en ai plusieurs, voici la première comparaison, le Mini Quill et le All Rounder taille 2. D'apparence ils sont très proches mais ils vont donner des effets différents. Pour commencer, le Mini Quill a des poils assez longs donc la souplesse permet d'avoir des mouvements fins ou bien avoir une large surface, de faire des petits mouvements d'herbe un petit peu spontanés et bah, très souples quoi. On peut donc aplatir pour avoir de la surface, faire des feuilles et le garder bien vertical pour avoir des herbes ou des tiges. Voilà donc l'avantage du Mini Quill. Et très proche au niveau de la taille, c'est le All Rounder taille 2. Alors, il est très très fin, mais les poils sont beaucoup plus courts. On peut donc mieux maîtriser la pointe fine, à mon goût en tout cas, pour faire donc des détails très précis. Mais il a quand même une petite surface, donc on peut quand même faire un petit peu de remplissage, on peut faire des effets de feuilles, de gouttes, etc. Mais en maîtrisant un peu mieux son geste, les poils sont plus courts, donc il se maîtrise mieux. On peut aussi donc jouer avec des petits points, des petites taches, et après donc agrandir cela avec donc des jeux de pression du pinceau sur la feuille. Donc par exemple ici je m'amuse avec toujours ce All Rounder taille 2 avec un peu plus d'eau pour faire ma rose, et puis avec un peu de vert je peux faire ma tige, un peu d'herbe autour de ma rose. Donc ça c'était pour la première comparaison. J'ai un taille 6 hein, qui est beaucoup plus grand. Bon, alors ça c'est clairement, si on est un peu moins dans les détails, mais c'est le même effet que le taille 2, mais en version taille 6. Donc un pinceau beaucoup plus grand, les herbes entre guillemets folles, voilà, elles sont toujours possibles. Les pinceaux sont plus grands et puis plus fournis, mais du coup aussi plus longs. On a donc toujours cette souplesse comme avec le Mini Quill, mais il y a plus de poils, donc ça va donner plus de surface lorsque l'on l'utilise. Ensuite, j'ai deux pinceaux que j'aime bien mettre ensemble parce qu'ils sont coupés en biais, mais ils ont des effets tout à fait différents. Alors, le Rig Brush, c'est la taille 8. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire des feuilles dans des couronnes notamment. Et lorsqu'on appuie assez, il va donner une belle surface. J'aime bien mettre deux couleurs sur ce pinceau, une sur la pointe et une sur la base un peu plus courte. Et évidemment il faut une palette pour étaler donc de la peinture sur le pinceau. Ça permet des effets très sympathiques je trouve avec deux couleurs sur le même pinceau. Il a donc, si on l'utilise très très vertical, une pointe extrêmement fine comme les poils sont très longs, donc ça permet de faire de nouveau des effets très très fins de souplesse, d'herbe, feuilles, enfin ce qu'on veut évidemment, mais donc une belle surface. Donc ce pinceau, il me convient à plusieurs effets, puisque large, double couleur et très très fin. Dans le même style, mais donc poil beaucoup plus court, donc on maîtrise beaucoup plus son geste, c'est beaucoup moins spontané. Il y a donc le taille 10, le Dagger Brush, donc le pinceau dague. Ici c'est un autre effet, donc on l'utilise différemment. On maîtrise toute l'épaisseur, on peut faire des traits très très fins évidemment, des traits fins, des traits plus épais, jouer pour faire des feuillages, et magnifique évidemment aussi. Plus sur des grandes feuilles que des miniatures évidemment, pour ma part en tout cas. Ensuite on a le Cat Tongue, la langue de chat. Donc taille 12, alors celui-là je l'aime beaucoup parce que donc il a des poils courts et puis il a cette forme ronde qui permet de faire un début de feuille très très fin, et puis après on l'appuie donc bien contre la feuille et ça nous donne des pétales de fleurs ou des feuilles d'une herbe inventée évidemment. Donc j'aime beaucoup, c'est très très relaxant de peindre avec ce pinceau et les effets sont tout de suite réguliers en fait. Donc ça permet des effets très très sympathiques. Donc simplement avec une courte pression sur la feuille pour avoir le côté plus large. Et par exemple voilà, sur un feuillage on peut s'amuser avec des feuilles selon comment on organise.
En rajoutant plus ou moins de pigments ou plus ou moins d'eau, on peut obtenir des jolis dégradés très rapidement. En gardant toujours le même geste, on peut aussi donc faire apparaître le dégradé dans la taille ou dans la couleur. J'aime beaucoup donc cette langue de chat. Et pour finir, j'ai une taille 14. Je ne sais plus quelle est la collection pour là. Vous aurez le nom sur la photo récapitulative. Donc c'est un très très gros pinceau. Je vous ai mis une règle pour voir un petit peu la taille du pinceau. Donc là c'est vraiment pour dessiner des gros branchages, des gros buissons. Si on utilise de l'herbe évidemment. Donc j'aime bien l'utiliser pour faire des lavis. Pour peindre donc plutôt les fonds. Ah oui pardon, c'est la brosse triangle. Donc c'est une brosse que je ne maîtrise pas encore, mais je m'amuse très très rapidement avec toutes ces brosses. Et évidemment ici ce n'est pas une belle composition, mais c'est juste des tests pour voir un peu ce que j'aime bien tester, la surface, la finesse, la souplesse de toutes ces brushes, tous ces pinceaux. Voilà, donc voilà un petit feuillage avec encore cette taille 14. Il m'en manque, mais voici tous ceux que j'ai. J'en ai quand même déjà pas mal. Donc voici les références. Et une autre petite démonstration avec ces pinceaux. Je me suis amusée de l'autre côté de la feuille avec les pinceaux, pas tout à fait dans le même ordre. Saurez-vous les reconnaître? Donc je vous les montre ici en accentuant les effets. Ici donc c'est le taille 10 et le taille 8. Non pardon, le taille 14. Ça c'est le taille 8. Ils sont magnifiques, tout est synthétique, pas d'animaux là-dedans. Donc voilà le taille 10 et le taille 8. Donc ici j'aime beaucoup ce taille 8 pour faire donc mes petites fleurs. Donc diluer un petit peu d'eau pour faire mes effets de rose. Voilà comment je mélange donc mes couleurs pour avoir sur le même pinceau les deux tailles, les deux couleurs sur la même pression. J'espère que cette comparaison vous aura plu. Amusez-vous bien avec vos chimonies. Si vous en avez d'autres, dites-moi ce que vous aimez peindre avec. Belle soirée à tous.